What's up my playboy, what's up my playgirl? Welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui les amis, on va travailler les biceps et les triceps en super set, mais cette fois-ci uniquement avec les haltères. C'est pour augmenter l'intensité de vos entraînements sans récupération. Alors, pour ça, vous récupérez les haltères pas trop lourdes, bien sûr, parce que vous allez devoir travailler tout de suite sans récupération. Donc, si c'est trop lourd, vous allez vous épuiser beaucoup trop rapidement. Travaillez avec une charge de façon à pouvoir faire une fourchette entre 12 et 20 répétitions. D'accord ? On travaille sur la congestion musculaire. Les jambes légèrement fléchies. On ramène les haltères jusqu'au niveau de la poitrine et on descend un peu plus bas que la parallèle au niveau des avant-bras. Parallèle au sol, un peu plus bas. Et vous remontez, on garde la contraction une seconde en haut et on redescend. Vous pouvez monter de façon explosive en contrôlant la descente. Tout de suite après, on va travailler les triceps sans récupération et vous allez récupérer juste une haltère que vous allez ramener derrière la tête. Cette fois-ci, vous allez garder les coudes vers le miroir. Donc les coudes assez fermés de façon à bien isoler la partie des triceps sans tirer sur les épaules. On monte au maximum, vous allongez vraiment les mains, les avant-bras pour avoir une bonne contraction. On va verrouiller en haut une seconde et on redescend en bas. Ça va vous permettre de vraiment travailler l'arrière des bras, comme on appelle aussi dans le jargon ce qui donne la chauve-souris. Donc vous allez ramener au maximum vers le haut et ensuite vers le bas, toujours souffler en montant. Vous allez rester dans une fourchette toujours de 12 à 20 répétitions. Vous allez reproduire chaque exercice en 5 à 8 séries. Donc ça va vous prendre à peu près 15 à 20 minutes de travail. N'oubliez pas toujours les abdominaux après chaque entraînement. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions sur ETV Fit.